Allez, Didi, c'est l'heure de dormir. File dans ton lit. J'arrive tout de suite pour te border. Bunny, papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman arrive! Cache-toi, ou elle va t'attraper. Bonne nuit, ma chérie. Qu'est-ce que tu regardes? Je crois qu'elle ne peut pas te voir. Promets-moi que tu seras sage pendant que je serai partie chanter. C'est promis. Et pas de sortie en douce cette fois, tu vas finir par m'attirer des ennuis. Juré. Très bien, tu es gentille, Didi. Maman? Est-ce que papa va revenir un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour, quand il sera prêt. Mais ne t'en fais pas, tu sais que maman revient toujours. Je serai rentrée bien avant que tu te réveilles. Dors bien. Ok, elle est partie! Elle va chanter au Gosnes ce soir. C'est le plus beau des cabarets. Allez, on va manquer son spectacle! Quelqu'un a bougé le chariot! Regarde! Je sais, tu vas descendre et déplacer le chariot pour que je puisse sauter en bas. Je vais mettre la lumière ici. Comme ça, tu pourras aller là et devenir une ombre. Waouh! J'aimerais pouvoir faire ça. Tu crois que tu pourrais m'apprendre? Ok, maintenant approche le chariot pour que je puisse descendre. Je me demande qui l'a déplacé. Tu crois que c'est maman? Elle m'a grondé la dernière fois que je suis sortie. Mais où étais-tu passée? Ça fait 3 semaines que je ne t'ai pas vue. J'aurais vraiment aimé que tu sois là pour mon anniversaire. Papa a raté mon anniversaire. Maintenant, on va par là. Suis-moi. Oh, je crois que tu es trop grande. Je crois que ça mène à l'autre rue. Si je déplace ce chariot, tu pourrais monter sur son ombre. On essaye? On se retrouve au Gosnes.
Ils n'ont pas encore commencé le spectacle. Tu as manqué les danseuses. Elles étaient tellement belles. Quand je serai grande, je serai danseuse. Ou bien acrobate, comme toi. Tu as toujours voulu être acrobate? Allez, entrons. Un peu de lumière ne serait pas de refus. Je pense que vous apprécierez la vue. Allez, mon chou, donne-nous un petit coup de main. On va pas jouer dans le noir. Le Projo a un problème là-haut. Sparky, tu pourrais t'en occuper aussi? Il casse vraiment l'ambiance. Tu veux bien?
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu chantes divinement bien, Kat. N'essaie pas de m'embobiner, Johnny, on avait un accord. T'appelles ça un accord? Je voulais pas partir, c'est toi qui m'as mis dehors. Tu veux de l'argent, c'est ça? J'esquive déjà le proprio. Je suis pas venu faire la manche, mate un peu ce costume. Encore un de tes fameux coups. Cette fois, c'est sérieux, Kat. Ben voyons, jusqu'à ce que tout foire comme la dernière fois, et la fois d'avant. Non, mon cœur, je te jure que je vais me racheter. Je dois retourner sur scène. Alors retrouve-moi après, je suis à l'Excelsior. Tu t'imagines pouvoir revenir dans nos vies comme ça, avec de belles paroles? Tout se passera bien cette fois, tu verras. Tu seras fier de moi. Chambre 529. Où est-ce qu'il va? Je dois lui parler. Il vient juste de passer par cette porte. Je parie qu'il s'en va encore au bar. Maman dit que papa nous a quittés. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est elle qui l'a mis dehors. C'est gentil, Didi. Maman? Est-ce que papa va revenir un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour, quand il sera prêt. Mais ne t'en fais pas. Tu sais que maman revient toujours. Je serai rentrée bien avant que tu te réveilles. Dors bien. Ça ne veut pas s'ouvrir. Mais tu pourrais la forcer. Tu es très forte. Allez! Mais c'est l'incroyable Vincenzo! C'est un illusionniste connu dans le monde entier. Qu'est-ce que papa peut bien faire avec lui? Allez, Vincenzo, ce n'est qu'une simple bobine de film présentant votre numéro. Pourquoi ne pas me la prêter? Rien que pour cette nuit. Parce que c'est mon numéro top secret. C'est pourquoi j'ai dit à mon agent de le garder sous clé dans son bureau en haut, jusqu'à ce qu'il l'apporte en Europe pour préparer ma nouvelle tournée. Je veux juste le montrer à mes investisseurs. Ils voudraient en savoir un peu plus sur vous. Monsieur Fenris, j'ai exécuté mes numéros d'illusion dans les 48 États américains et dans les 11 provinces et territoires canadiens. J'ai joué pour le roi d'Angleterre et l'empereur du Japon. Il y a des intouchables en Inde qui connaissent l'incroyable Vincenzo. Vous pensez que je ne pourrais pas vous payer? Vous avez vu mon costume? Je loge à l'hôtel Excelsior. Je me suis renseigné sur vous, monsieur Fenris.
On me dit de ne pas vous faire confiance. Figurez-vous que je me suis également renseigné sur vous, monsieur incroyable. Vous n'êtes pas aussi riche que vous le faites croire. Vous avez quelques dettes. C'est pourquoi je suis sûr que vous accepterez de participer à l'inauguration de mon cirque. Vous osez m'accuser ? Regardez, j'ai déjà une affiche magnifique. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de votre bobine de film. Tant que je n'ai pas de dépôt de garantie, je serais idiot de vous prêter quoi que ce soit. Ok, je vais vous faire un chèque. Content ? Content. Vous en faites pas, je vous appelle dès demain. Heureux de vous avoir rencontré. Merci pour le verre. Maintenant, il faut lui apporter. Je crois qu'il est allé au cinéma retrouver ses amis. Monsieur Fenris, j'ai joué pour le roi de l'univers. Il y a des singes qui connaissent l'incroyable Vincenzo. Si vos investisseurs n'ont pas entendu parler de moi, ils sont stupides. Oh non, pas moyen de traverser. Je sais, si on arrivait à faire fonctionner ce projecteur, je pourrais te suivre avec. Mais je crois qu'il n'y a plus de courant. Peut-être qu'on peut utiliser tes luminaires. Est-ce qu'il t'en reste? Je ne peux pas sauter aussi loin. Peux-tu m'aider à traverser?
un trou. Oh, c'est verrouillé. Oh, attends, je crois que je peux passer à travers. Comme je te l'ai dit, je suis bonne pour arranger les choses. Peut-être que tu peux trouver un autre accès. Didi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censée être dehors à une heure pareille. Où est ta mère? Est-ce que maman t'a vraiment mis dehors? Tu nous as espionnés au cabaret? Est-ce que tu reviens à la maison? J'aimerais bien, mais je dois encore convaincre ta mère. Elle est là? Non, je suis sortie sans permission. Eh bien, tu grandis vite. Il n'y a pas si longtemps, t'avais encore peur du noir. Mais est-ce qu'elle t'a vraiment mis dehors? Oui, on peut dire ça. Mais je n'étais pas très gentille avec elle à l'époque. Je l'ai un peu méritée. Tu m'as manqué. Oh, tu m'as manqué aussi, ma grande. Mais je vais revenir bientôt. Je suis en train de monter un cirque. J'ai un gros budget. Et tu sais qui en sera la vedette? L'incroyable Vincenzo. Tu m'as l'air drôlement bien renseigné, toi. Oui, tu as raison. L'incroyable Vincenzo sera le clou du spectacle. C'est le meilleur, pas vrai? Bon, tu ne devrais pas être dehors aussi tard. Je te ramène à la maison. Je t'ai apporté... Chut, chut, chut. Mais... Chut, écoute, je dois rencontrer des investisseurs et... Il n'aime pas trop les enfants. Je veux que tu rentres à la maison, d'accord? Mais... Didi, file d'ici tout de suite. Je ne dirai pas à ta mère que tu es sortie sans sa permission. Allez, fonce! Ah, Carmine, Silvio! Il n'a pas le film pour leur montrer?
Son nom, c'est Salvio. Alors, pourquoi on est là? Salvio, c'est ce que j'ai dit, non? J'ai une grande nouvelle. Vincenzo est partant. Il faut leur montrer le film. Tu l'as, t'en es sûr? Puisque je vous le dis, il accepte de jouer à la soirée d'inauguration. Avec lui, on va faire un carton. Alors c'est pour ça que tu nous as amenés ici, hein? Tu vas nous montrer son numéro. Exactement. Mais je crois que le projecteur est cassé. Parce que si tu l'as pas, ton cirque va foirer. Et tu ne vas pas pouvoir nous rembourser. Et alors, il faudra que je te casse les bras. Ensuite, on vérifiera si tu sais bien nager. Écoutez, il me faut juste un peu d'argent pour... finaliser les choses avec Vincenzo. Tu te fous de moi? Sur quoi as-tu dépensé notre argent? Ton avis? Vous allez tout récupérer en... Oh, montre-leur le film! Montre-leur le film! Arrête un peu ça! Regarde ça! Il est incroyable. Je vous avais bien dit que je l'avais. D'accord. Allons chercher ton argent. Je vous remercie. Je passerai demain pour le prendre. Ça ira? Relax. Allons prendre verre. Je connais un gars qui va pouvoir remettre ce doigt en état. Ça m'arrange pas, là. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Dis donc, t'es pressé? Ça doit être une sacrée belle poulette, hein? Tu veux qu'on aille rencontrer la poulette de Johnny, ça? J'aime ça, les belles poulettes. La poulette, c'est ma femme. J'ai toujours voulu rencontrer ta femme. On va jouer à la canasta, juste nous quatre. Mais... On t'a pas demandé ton avis, Johnny. On t'explique. Ils vont faire du mal à ma maman! Ça commençait à barder là-dedans. Tu vois, quand on rencontre la femme de gars, il a une toute nouvelle raison de bien faire. Mais comment tu sais tout ça, toi? Parce que ma mère avait l'habitude de me cogner chaque fois que je ne connaissais pas quelque chose. Faudrait que j'essaye ça avec mes gamins.
Peut-être que tu pourrais t'infiltrer par une fenêtre ou quelque chose comme ça, et ensuite tu pourrais me faire entrer? Pourquoi t'es revenu, Johnny? Je veux revenir à la maison, Kat. Avec un autre de tes projets bidons dans tes cartons, j'imagine? Ça, c'est du passé, Kat. J'ai changé. Ah oui, t'as trouvé la foi. J'ai trouvé que la solitude. Pourquoi t'es revenu, Johnny? Je veux revenir à la maison, Kat. Avec un autre de tes projets bidons dans tes cartons, j'imagine? Ça, c'est du passé, Kat. J'ai changé. Ah oui, t'as trouvé la foi. J'ai trouvé que la solitude. Tu me manques, chérie. Je te donnerai jamais une autre raison de me mettre à la porte, je le jure. Jamais est un bien grand mot. Je l'ai déjà entendu trop souvent. Cette fois, tu seras fière de moi. Regarde un peu cette suite, j'ai des investisseurs. Ceux qui viennent juste de partir? Waouh, félicitations. C'est eux qui t'ont cassé le doigt. Ça? Aucun rapport. Je me le suis coincé dans une porte. La portière de leur voiture. Tu te souviens du vétérinaire qui devait te permettre de tricher aux courses? C'était une erreur, Kat, je le sais. Et du bar qu'on avait acheté, où tes amis n'avaient pas besoin de payer, dans lequel tout le monde était ton ami. Il faut savoir entretenir sa clientèle. Et ce club de danseuses dans lequel tu gérais tes employés de très près. Là, tu te trompes, Kat. Je leur ai montré quelques déhanchements, c'est vrai, mais je n'ai jamais eu de gestes déplacés. Comment tu veux que je te croie, Johnny? Tu mens comme tu respires. Tu ne crois pas un mot de ce que tu dis, Kat. Je peux lire en toi comme dans un livre ouvert. Non, Johnny. C'est terminé. Tu n'es qu'un carrousel de rêves brisés. Tu tournes en rond encore et toujours. Personne ne saura jamais t'aimer comme moi, mon ange. Arrête! N'essaie pas de m'embrasser, Johnny. Ça va mal finir. Quoi, tu vas me tirer dessus? Eh ben, vas-y, tire. J'ai déjà deux trous dans le corps à la place de toi et Didi. Fais-en un autre et achève-moi! Qu'est-ce que tu veux à Didi? T'es même pas son vrai père! Parce que Vincenzo l'a été, peut-être? Tout ce qu'il a donné à Didi, c'est son joli petit nez. Je ne suis peut-être pas son vrai père, mais c'est moi qui la mettais au lit quand tu travaillais tard. Elle a été voir son spectacle, mais il n'a pas changé d'avis, n'est-ce pas? Il ne veut pas être son père. Il ne veut être le père de personne. Je te déteste! Kat, qu'est-ce que tu fais? J'ai mal. Non, 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 non. Ne meurs pas, Johnny. Prends soin de Didi, ok? Dis-lui que je l'aime. Je t'en prie, non. Me laisse pas. Dis-lui ce qu'elle a besoin d'entendre. Pas un mot de ce que tu dis, Kat. Je peux lire en toi comme dans un livre ouvert. Non, Johnny, c'est terminé. Tu n'es qu'un carrousel de rêves brisés. Tu tournes en rond encore et toujours. Personne ne saura jamais t'aimer comme moi, mon ange. Arrête! N'essaie pas de m'embrasser, Johnny. Ça va mal finir. Quoi, tu vas me tirer dessus? Eh ben, vas-y, tire. J'ai déjà deux trous dans le corps à la place de toi et Didi. Fais-en un autre et achève-moi! Qu'est-ce que tu veux à Didi? T'es même pas son vrai père! Parce que Vincenzo l'a été, peut-être? Tout ce qu'il a donné à Didi, c'est son joli petit nez. Je ne suis peut-être pas son vrai père, mais c'est moi qui la mettais au lit quand tu travaillais tard. Elle a été voir son spectacle, mais il n'a pas changé d'avis, n'est-ce pas? Il ne veut pas être son père. Il ne veut être le père de personne. Je te déteste! Kat, qu'est-ce que tu fais? Maman, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Rien. Maman et papa étaient juste en train de se disputer. Ce n'est pas un vrai pistolet, c'est seulement un jouet. Oui. Ce n'est rien qu'un jouet, Didi. Vas-tu laisser papa revenir à la maison? Didi... S'il te plaît, je t'en prie, laisse papa revenir. Papa est mêlé à une sale histoire avec des gens pas très nets, Didi. Il vaudrait mieux qu'il règle ses comptes avec eux d'abord. Pas vrai, Johnny? Peut-être que je ne vaux rien sans ma famille. Peut-être que j'ai besoin de vous pour réussir. Johnny... Ouais! Papa a besoin de nous! Si ça tourne encore à la catastrophe, on risque de tous y passer. Je ne laisserai pas les choses mal tourner cette fois-ci. Je te le promets. Tu m'as tellement manqué. Hourra! Papa revient à la maison! Mais ce n'est pas mon vrai père, n'est-ce pas?
chez toi. Où étais-tu passé? Savais-tu que le cirque est en ville? C'est le cirque de papa. Il dit que ça va être quelque chose d'incroyable. Sauf qu'il dit toujours ça. Puis les choses tournent mal. Mais Vincenzo est mon vrai papa. Il faut aller lui parler. Ils sont tellement heureux. Il n'y a pas de photo des mauvais moments. Celle-là était dans le sous-sol. Elle est sûre seulement quand papa est avec nous. Tu sais, dans ces histoires où la petite fille est en fait une princesse et où ses parents ne sont pas ses vrais parents, est-ce qu'elle peut quand même les revoir? D'expulsion. Papa dit qu'il va payer toutes les dettes dès que le cirque aura du succès. Allez, je veux aller trouver Vincenzo. Je ne pense pas qu'elle soit assez solide. Il va falloir que tu traverses dans l'ombre. Alors, Vincenzo, prêt pour le grand soir? Tout le monde est impatient. Vous allez devoir leur rendre leur argent. Quoi? Mais on est complet. Vous ne m'avez pas payé. Mais j'ai l'argent, toutes les places ont été vendues. Vous serez payé avant le spectacle. Même si vous l'avez, je ne peux pas jouer ici. Votre cirque est un désastre. Vous exagérez. Votre spectacle de marionnettes à propos de la princesse aurait besoin d'une princesse. Vous avez perdu votre montgolfière. Et où avez-vous trouvé ce bateau pirate? Ce n'est qu'un vieux tas de ferraille. Allez, Vincenzo, c'est l'inauguration. Il reste toujours des ajustements à faire. Écoutez, je vais régler tout ça. Pas de soucis, c'est comme si c'était fait. Ne vous attendez pas à ce que je sois une babiole pour attirer les gens dans votre dépotoir. Tout va fonctionner. Vous avez ma parole. Je m'en fais pour papa. Il dit toujours que ça va bien, mais ces sales types l'ont vraiment blessé. Il faut s'occuper du cirque, alors papa sera en sécurité. Allez! Regarde, la corde de la montgolfière s'est emmêlée dans la toiture. Alors, ils ne peuvent pas la descendre. Personne ne peut monter là-haut pour la démêler. Waouh, un carrousel! Je crois que je peux le mettre en marche. Est-ce que tu as des luminaires? Je crois qu'ils nous en font encore quelques-uns.
Je crois pouvoir le mettre en marche maintenant. Je crois qu'il va falloir que ce phare, là-haut, fonctionne également. Allez, cheval! Oups, désolé. Est-ce que j'étais sur ton chemin? Est-ce que ça va là-haut? As-tu besoin d'aide? Voilà, saute là-dessus! Je crois qu'il va falloir que ce phare, là-haut, fonctionne également! Ok, maintenant je crois que tu peux monter sur le toit pour démêler la montgolfière de papa! Vas-tu m'apprendre un jour?
Quelqu'un a vu la marionnette de la princesse? Oh, on ne peut pas raconter l'histoire sans elle. On dirait papa. Je suis sûr qu'elle était dans le coin. Ah, la voilà. Il était une fois une princesse qui vivait dans un château avec son père, le roi. Le roi l'aimait beaucoup, parce que les papas aiment leurs filles. Hélas, il y avait un ogre dans le royaume qui dévorait les voyageurs. Parce que les ogres sont comme ça. Le roi fit donc ce que font tous les rois. Il promit la main de son unique fille, la princesse, à celui qui tuerait l'ogre. Ce valeureux héros hériterait ainsi du trône. Mais les terres du royaume étaient reculées, et l'ogre était très grand. Alors, seul un chevalier répondit à l'appel. Il s'appelait Fred, et il tomba immédiatement amoureux de la princesse. Fred était un brave chevalier, et il s'en alla le matin suivant, entonnant un chant valeureux aussi fort qu'il le pouvait. Après plusieurs jours, la princesse se demanda ce qui avait bien pu arriver à son futur époux. Elle partit donc dans la forêt à sa recherche. La princesse suivit les empreintes de Fred au plus profond de la forêt sauvage, bravant les bruits terrifiants, les dangers cachés, les précipices remplis de bambous coupants comme des lames de rasoir. Heureusement, c'était une princesse très courageuse et qui aimait l'aventure. Un peu comme toi. Son astuce lui permettait de traverser tout type d'obstacles périlleux. Elle s'approcha d'une rivière remplie de crocodiles affamés. Et elle ne savait même pas nager. Alors, que crois-tu qu'elle ait fait? Elle sauta sur la tête des crocodiles. C'est ça. C'était une forêt magique dans laquelle les plantes semblaient communiquer entre elles. Elle dut utiliser des champignons magiques pour grimper plus haut. Elle apprit à utiliser les branches d'arbres pour sauter par-dessus les bambous. Au soleil couchant, elle atteignit enfin le camp de l'ogre. Et là, la princesse constata que l'ogre avait capturé Fred et l'avait pendu à un arbre pour le manger. L'ogre n'apprécia pas du tout de recevoir de la visite. Même Fred sembla un peu gêné. C'était une femme d'action. Elle était agile et l'ogre était maladroit. Il était facile de le railler. C'est quoi railler ? C'est quand on se moque de quelqu'un. On ne devrait jamais se moquer des gens. Mais avec les ogres, parfois, on n'a pas le choix. C'est ainsi que la princesse se joua de l'ogre et secourut Fred. Fred était un peu contrarié.
Il aimait vraiment la princesse. Heureusement, le roi l'informa qu'il pouvait tuer une araignée géante afin de gagner la main de sa fille, la princesse. Alors, Fred s'en alla jusqu'au repaire de l'araignée géante entonnant un chant valeureux. Un peu moins fort que la fois précédente. Après plusieurs jours, la princesse se demanda ce qui avait bien pu arriver à son futur époux. Elle partit donc dans la forêt à sa recherche pour la seconde fois. Les empreintes de Fred la menèrent dans une caverne sombre et humide dans laquelle résonnaient des sons étranges. Un peu comme le sous-sol de l'école. L'écho de ses pas était tel qu'elle se demanda même si elle n'était... Malheureusement, elle loupa son coup et s'empala sur les bambous. Attends, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Peu après, elle arriva près d'une vaste fosse remplie de pieux mortels. Le gouffre était beaucoup trop large pour sauter par-dessus. Mais elle pouvait entendre des gémissements au loin. Elle pensa que ça devait être Fred. Alors, que crois-tu qu'elle fit ? Oh, je sais, je sais, je sais ! Quoi ? Elle a utilisé un parapluie. Hein ? Comme la nounou, dans le film. Ça se passe au Moyen-Âge, chérie. Où veux-tu qu'elle trouve un parapluie ? Je ne sais pas, mais c'est ça qu'elle a utilisé. Je ne crois pas que j'ai un parapluie. Alors tu dois en trouver un, parce qu'elle a utilisé un parapluie. Mais où est-ce que je vais trouver un parapluie ? Ah ! En voilà un ! Alors la princesse s'élança courageusement dans les airs, ralentissant sa chute avec un parapluie. Comme la nounou dans le film. Elle descendit dans la cave en flottant. Elle s'enfonça de plus en plus profondément dans la caverne. Elle crut entendre Fred gémir, mais ce n'était peut-être que le vent. Finalement, elle atterrit doucement dans une toile d'araignée. Heureusement, c'était une très vieille toile et elle parvint à s'en dégager. Malheureusement, la toile était la seule chose qui retenait un gros rocher. La princesse devait trouver un endroit pour se cacher. Soudain, une araignée géante bondit de l'ombre pour l'attaquer. Elle courut, grimpa, sauta et grimpa encore. Mais l'araignée géante était très habile pour grimper elle aussi. Elle avait 8 pattes, alors que la princesse n'avait que 2 jambes. Heureusement, la princesse se souvint que l'étoile retenait les rochers. Pauvre araignée! Elle trouva finalement Fred. Il était emballé dans une sorte de cocon, comme si l'araignée avait voulu faire un paquet cadeau. Il était très gêné qu'on doive encore le secourir. Il aimait vraiment la princesse. La princesse se dit qu'il était mignon. Heureusement, le roi l'informa qu'il était possible de tuer un dragon afin de gagner la main de la princesse et de cesser d'être couvert de ridicule. Alors Fred s'en alla jusqu'au sommet de la montagne du dragon, entonnant un chant valeureux, mais tout doucement. Après quelques jours, la princesse se demanda... Pourquoi est-ce que son père essayait toujours de la donner en mariage ? Oui, aussi. Mais elle était inquiète à propos de Fred.
Alors, elle partit à sa recherche. La montagne du dragon était glaciale, et le vent lui hurlait de rebrousser chemin. Il y avait des éboulements et des gouffres sans fond. Mais c'était une princesse très courageuse qui agit tout comme toi. Elle n'allait pas se laisser intimider par quelques dangers mortels. Et puis, elle s'inquiétait pour Fred. Elle grimpa de plus en plus haut. Quand elle avait froid, elle pensait aux muffins au sirop d'érable qu'elle ferait quand elle aurait ramené Fred à la maison. T'aimes toujours les muffins ? J'adore les muffins ! La princesse espérait que Fred aimait lui aussi les muffins. Quand la princesse atteignit la tanière du dragon, elle ne fut pas très surprise de trouver Fred suspendu au plafond de la caverne. Alors, elle se moqua du dragon jusqu'à ce que celui-ci rugisse son souffle enflammé vers elle. Brûlant finalement les cordes qui retenaient Fred prisonnier. C'est alors que la princesse et Fred vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fred n'avait plus besoin de partir à l'aventure. Et ils purent manger plein de muffins au sirop d'érable. Il y a une autre version de l'histoire où la princesse s'envole sur le dos du dragon pour vivre d'incroyables aventures. Mais ce sera pour une autre fois. Bravo! Bravo, Don! Tu as réussi! Fermé. Peux-tu l'ouvrir?
La seconde étoile sur la droite, puis tout droit jusqu'au matin. Bateau n'est pas censé tirer sur la pieuvre à nouveau. Thank you.
pas aggraver les choses. On n'a rien endommagé, non? Peut-être qu'on peut sortir par là. Je parie qu'il n'y a rien de cassé en fait. Je parie qu'il a simplement oublié de mettre quelque chose en marche. Normal, puisque c'est papa qui l'a acheté. Je suis sûre qu'il a oublié de faire quelque chose et que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et c'est probablement dans la salle des contrôles, ou la salle des machines, ou quelque chose comme ça. Allez! Il fait noir là-dedans! Comment vas-tu monter sur les ombres s'il fait noir? Hé, c'est le local d'entretien dont je t'avais parlé! Pourquoi est-ce que papa ne l'a pas fait? Je parie qu'il n'a même pas lu les instructions. Je crois qu'on peut maintenant redémarrer le manège. Je le savais! Je savais que le problème était facile à régler. On dirait que tout ce qu'il faut faire, c'est tirer les leviers au même moment. Es-tu prête? Ok. 3, 2, 1, go! Je crois qu'on l'a réparé. Je crois qu'on a complètement réparé le manège. Alors, qu'en pensez-vous, Vincenzo? Vous êtes-vous déjà essayé au trapèze? Ils savent très bien ce qu'ils font, Monsieur Fenris. Je dois vous l'accorder. J'ai récupéré ma montgolfière. J'ai une princesse pour mon théâtre d'ombre chinoise et mon bateau pirate vogue en haute mer. Alors, vous êtes un homme de parole. Allez-y, comptez. Tout est là. Vous voulez de l'aide pour vous préparer? Mes appareils sont très délicats et je n'admets personne dans mon atelier. Fournissez-moi le public, Monsieur Fenris, et je vous fournirai l'émerveillement. Monsieur Fenris, pourquoi organisez-vous ce cirque? Je connais vos investisseurs. J'ai promis à ma femme et à ma fille de me racheter. Mais si je n'attire pas les fonds pour vous, ces gars-là vont vous envoyer au fond de la rivière. Sans Kat et Didi à mes côtés, ils peuvent bien me faire ce qu'ils veulent. Alors espérons que le public soit au rendez-vous. Je ne lui ai pas parlé. Je n'ai pas parlé à Vincenzo. Vincenzo s'en va à son atelier secret. Je peux lui parler seul à seul là-bas. Mais où est-ce que c'est ?